commence devant et se finit derrière. En espérant qu'on marquera un peu plus d'essais derrière. Parce que l'année dernière, notre meilleur marqueur d'essais était la mêlée. C'est bien, il en faut. Et ça serait bien que derrière, cette année, on marque un peu plus d'essais. Donc pour cela, au poste de demi de mêlée, je vais appeler Maxime Batz, qui a été mangé quelques ultra-arcations, mais non, il n'y a pas. Nicolas Vergalo, Nano. Un jeune joueur qui nous vient par an de Colomiers, qui est passé par le centre de formation de Clermont-Ferrand, c'est Julien Mignon. Il faut aussi évoluer au poste de 10. Au poste de 10, il est toujours là, c'est Jean-Baptiste Cavary. Il y a Benjamin Cooper, dit Ben Cooper, qui nous vient de Rennes, qui était conçu de l'usine. Je vais passer au poste de centre. Sur la salle, Mounissa, s'il vous plaît. Monsieur Mounissa. Monsieur Joan Paulet, issu de la formation Pardèse. Il pourra aussi évoluer à l'aile cette année. Julien Ratzner, pas la seule. Mathieu Ducourt, nouvel international allemand de première année. Il vient de Chambéry, toujours au poste de centre ailier. Il a joué très longtemps à Auch. C'est Jonathan Bretous. Au troisième rideau au niveau des ailiers, international portugais Derrito Esteves. Il vient de Castres, malheureusement il s'est blessé à l'épaule contre Rodez, Imad Bouedjer. Lui, ça fait un moment qu'il est là, Morgan, le bio. Donc, au poste d'arrière, deux joueurs polyvalents. Je vais appeler, il nous vient de Mâcon, un garçon qui a beaucoup de qualité, mais qui a un défaut, il vient de Pau, malheureusement. William Pes. Ah, c'est là, ça va. Et un billet, mon mec. Voilà, pour l'effectif. Il y a aussi des personnes qui travaillent avec nous quotidiennement sur le côté sportif et administratif. Donc sportivement, nous avons deux préparateurs physiques, Fabien Donnez et Bertrand Casamillou, qui vont venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Hervé Cascara, Di Manolo, vidéaste, photographe. Et la chanson? Non. Et Jean-Marc Giordano, l'intendant du club.
voilà, merci en tout cas d'être venus nombreux cet après-midi, en espérant que samedi vous serez un peu plus nombreux pour voir notre dernier match de préparation contre Laurent. Puisqu'ensuite nous enchaînons trois matchs, dont Strasbourg qui est important. L'anticipé un club promu. Je ne sais pas si vous êtes un peu amusé, j'espère que les joueurs y ont été un peu sur le site. C'est une équipe qui a recruté de bons joueurs. Voilà, donc une belle année qui peut être très belle, je pense sincèrement, au vu de l'effectif. Comme a dit Nicolas, il y a encore aussi des jeunes qui sont de côté de l'assaut, qui ont un potentiel, qui vont certainement, et j'espère pour eux, évoluer avec nous. Mais voilà, en ayant un petit peu de chance, je pense sincèrement qu'il y a quelque chose à faire cette année. Voilà, en tout cas, merci d'être venu à samedi, et en espérant vous voir très nombreux, surtout contre Chambéry. Merci beaucoup.